Yé pas tout le monde, alors bienvenue sur yépapote.global. Donc si je devais mettre en place une charte, je mettrais plutôt en place cette charte autour du comportement. Voilà, moi je pense qu'il faut savoir être tolérant et tolérer la différence. On n'a pas les mêmes avis, on n'a pas les mêmes opinions. Donc il faut tolérer la différence dans le sens où on n'a pas le même vécu, les mêmes expériences et on n'évolue pas aux mêmes vitesses. Donc voilà pourquoi je pense que l'entraide globale est importante, la synergie de l'intelligence collective est importante pour s'entraider. Néanmoins, il ne faut pas perdre de vue qu'on est tous différents. Et la grande difficulté également, je dirais, c'est le maintien du cadre réglementaire. Donc j'appuie là-dessus, même si nous les particuliers, nous ne sommes pas des gens experts en droit et en réglementation. Il nous importe de nous tenir informés et n'hésitez pas à intervenir justement pour rectifier peut-être les précisions qui ont pu être faites sur les réseaux, ou voire même me corriger moi-même dans mes castes audio, si vous considérez qu'effectivement il y a potentiellement une confusion au niveau du cadre réglementaire. Donc pour moi, c'est le cadre justement à prioriser. Si quelqu'un dans la communauté a des connaissances ou vraiment si se connaît vraiment bien dans le cadre réglementaire, n'hésitez pas à nous faire part de votre retour, ou si vous êtes un institutionnel ou un expert de la réglementation, n'hésitez pas à faire profiter tout le monde de vos précisions. Voilà, je pense que l'intelligence humaine collective qui en ressortira ne sera encore plus que plus précise. Voilà. Allez, donc respectons nous-mêmes, faisons attention à tout ce que nous écrivons, nous sommes responsables de nous-mêmes. Internet est un open source, donc en ce sens, il est très difficile de gérer tous les risques. Néanmoins, s'il n'y a pas fait également tous ces castes, c'est pour essayer de nous sensibiliser, parce que même si c'est difficile à retenir, voilà, on essaie et on fait l'effort de se conformer strictement à tous les cadres réglementaires auxquels notre sujet pourrait appartenir. Voilà, donc on fait attention, on respecte les autres, et puis voilà, on respecte aussi le cadre des solutions, des propositions, voilà, que vous pourriez proposer. Allez, à bientôt et bonne aventure dans le monde de yépapapote.global.